tournage, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je suis malade. Ça commence bien. Animar, ça fait un mois et demi que je traîne cette maladie. Le soir du 24 décembre, j'ai passé dans mon lit. Génial, mais vraiment la meilleure soirée de ma vie. Si vous ne le savez pas déjà, Noël est passé il y a un petit moment déjà, mais mon anniversaire arrive en fait fin janvier. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo qui jumelle et mes cadeaux de Noël et mes cadeaux d'anniversaire. Voilà. Alors, je crois que c'est obligatoire de faire un disclaimer pour ce genre de vidéo. Non, je ne me vante pas de tout ce que j'ai eu. Oui, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas la chance d'avoir autant de cadeaux. Mais, j'avais envie de faire cette vidéo. Alors, j'espère que je vais pas me faire juger méchamment. Oh là là, Pandinette, elle a trop de cadeaux, machin et tout. Bah, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas autant de cadeaux. Et je suis très heureuse pour ceux qui en ont plus que moi. On est dans un monde où en fait, dès qu'on reçoit quelque chose, et bah, c'est au drame, au désespoir, au vieillesse, au demi-neige. Donc, on a vécu que pour cette famille, ne me suis-je vengée de... Donc, j'ai un tas de choses ici, un tas de cadeaux. D'ailleurs, je vois un cadeau là-bas, avec la boîte ici. Je pense que ça va devenir ma catégorie de vidéos préférée, le fait de vous présenter des choses. J'adore. Les vrais se souviennent de la Paris Manga. Coucou à tous mes abonnés de la Paris Manga et de la Japan Expo, je vous aime. Et tous les autres aussi, je vous aime aussi. J'ai envie de donner de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ah mais j'ai oublié de vous dire. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, tout ce que vous voulez. Oui parce qu'en fait les vidéos vont sortir un peu n'importe comment vu que j'ai des vidéos qui datent de juin. On aime le temps que je n'ai pas le temps. Donc bonne année 2020, bonne décennie, j'espère que ça sera votre meilleure année vécue jusqu'à présent parce que j'espère que l'année prochaine sera encore meilleure que celle-ci. Je vais commencer tout de suite par remercier toutes les personnes qui m'ont offert ces cadeaux parce que je les aime énormément et je vous remercie infiniment. Comme ça, je serai pas obligée de faire un merci à chaque fois. Parce que je les ai déjà remerciés en vrai, hein, bien évidemment. Mais au cas où ils regardent cette vidéo, je vous remercie encore un millier de fois. Pour commencer, j'adore, j'adore, j'adore. Voici un magnifique porte-bag panda. Il est déjà utilisé. J'adore, j'adore, j'adore. Il est trop kiki, trop pratique. J'avais un autre rangement à bagues, mais là, c'est pour mes bagues vraiment préférées. Donc vraiment, trop contente. Merci! Alors, j'ai reçu un magnifique sac, un petit pochon, avec, à l'intérieur, nanana, des cotons démaquillants. J'adore, c'est des petites éponges. Elles sont trop poupettes. 8 cotons démaquillants, avec comme motif, tada! Il y a un panda. Je crois que les gens qui m'entourent ont compris que j'aimais les pandas. Enfin, trop pratique et en plus, c'est bon pour l'écologie. Ensuite, j'ai reçu un sac en toile. Voilà, vide. Il y a un truc dedans, là. Ah! Dans ce sac, il y avait une agrafe. J'aime beaucoup ce cadeau. Merci infiniment à la personne qui me l'a offert. Je n'en peux plus de moi. Bon, non, c'était une joke, hein, bien évidemment. J'ai reçu une petite boule et à l'intérieur... J'ai reçu, alors, j'ai pas assez de mains. J'ai reçu une crème pour le corps Dove. Je vais vous lire. Nutri Essence 3, crème corps hydratante pour les peaux sèches. Et avec un petit collier trop mignon. Merci mille fois. Ensuite, j'ai reçu des petits pandas, j'adore. Là, je peux lui faire porter du bambou. Où son bébé? J'aime. J'aime les doudous pandas, voilà. J'aime tout ce qui est panda. J'adore. Coucou, ça va? Ça va les abonnés de Pandinette? Est-ce que j'ai 4 ans et demi? Oui, j'ai 4 ans et demi. Et enfin, pour ce qui en est du ce sac, j'ai reçu un petit carnet de Freud, comme ceci. Parce que je suis en psychologie. Et ce magnifique sac me servira à trier mes déchets recyclables. J'ai reçu... Alors, il faut pas trop que je bouge. Je m'en suis déjà servi. Ces magnifiques feutres, toutes les gammes de couleurs. J'aime, j'adore, j'en rêve depuis longtemps. Donc trop bien. Et pour aller avec, bien évidemment, les crayons de couleur. Trop bien. J'en suis ravie. Je suis en train de les tester là en ce moment même. Avec, évidemment, ce qui allait avec. Les coloriages mystères Disney. J'en parlais à ma sœur depuis littéralement 1 an et demi. Voilà. Du coup, c'était pour ça qu'il me fallait des feutres et des crayons de couleur de toutes les couleurs pour pouvoir faire tout ça. Et du coup, j'en ai déjà fait un, je vais vous montrer le résultat. Tada! Et du coup,
comme vous êtes là, je vais vous en parler. Si ça vous chante, je peux m'inspirer des vidéos de Pickwick, parce qu'en vrai, c'est elle qui m'a beaucoup donné envie de faire ça. Si vous voulez, je peux colorier devant vos yeux, je filme, je monte. Moi, dans ma propre petite personne, je trouve ça hyper relaxant. Presque autant qu'aurait des gens rangés. Et j'ai reçu les 4 tomes que je n'avais pas de la Rose Écarlate. J'adore la Rose Écarlate. C'est juste trop bien. C'est trop bien. C'est trop so romantic. J'aime les BD à l'eau de rose. J'aime parce qu'il y a aussi de l'action, de l'aventure et tout ça. Et c'est trop bien la Rose Écarlate. Je recommande la Rose Écarlate 1000 fois parce que c'est de l'aventure, de l'amour, de l'amitié, c'est tout. Et c'est tellement bien. J'avais déjà reçu les premiers tomes l'année passée et là je suis tellement contente d'avoir reçu les suivants. I'm so so happy, happy, happy. Non, ok, je fais pas du tout du gospel, donc on va fermer sa bouche, Pandinette, s'il te plaît. J'ai reçu 2 bijoux. J'ai reçu une paire de boucles d'oreilles, trop belles, trop mignonnes, j'adore. Et j'ai reçu un magnifique bracelet, trop beau. Comment je peux vous le montrer? Voilà. D'habitude, je le porte, mais là, pour vous le montrer, c'était plus simple de pas le porter. Trop beau, j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... c'est une blague. Et dans mon sac, j'avais des apéricubes. Super, merci beaucoup. Ça me fatigue. Mais qui m'a mis ça dedans? Mes amis qui regardent mes vidéos, dites-moi qui a mis ça dans mon sac, ok? Parce que je pense que ça se conserve au frais et que ça fait quand même 10 jours que c'est là. Super. Et je réfléchis si j'avais d'autres cadeaux. Le gros cadeau que je me suis offert pour Noël, de moi à moi, c'est ceci. C'est un annuaire de tous les personnages Disney. J'en suis ravie. Vraiment trop bien. Je connais tous les personnages, enfin je connais pas tous les personnages Disney, je connais la globalité de tous les personnages Disney, mais j'avais vraiment envie d'avoir un truc comme ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Est-ce qu'on peut aller à la page de Meiko s'il vous plaît? Regardez Meiko, c'est toute ma vie! Est-ce que je suis la fille la plus nulle du monde? Oui, parce que j'ai oublié un cadeau. Donc bienvenue dans la scène off de cette vidéo. Je remercie infiniment cette personne de m'avoir offert ce cadeau. Je m'excuse de l'avoir oublié, mais en fait, je l'ai tellement aimé que je l'avais déjà porté maintes et maintes fois qu'il était déjà passé à la machine. Je vous le présente, je l'adore. Il est moult moult beau. Tadam ! Magnifique ! Il est trop beau. J'adore. Mais bon, c'est parce qu'il est passé à la machine. Et on se retrouve tout de suite pour mes cadeaux d'anniversaire. J'espère avoir rien oublié parce que sinon c'est un peu honteux. Normalement, it's good. En fait, faut que j'arrête de tourner une fois tous les mois parce que là, mon dernier tournage date du 7 janvier. On est actuellement le 12 février. Je vais sortir cette vidéo genre en mars. Je vais parler de mes cadeaux de Noël en mars. Est-ce que c'est normal? Oui. Moi, j'ai envie de dire bonne année toute l'année jusqu'au mois de décembre. Est-ce que vous allez me l'interdire? Non! Alors moi, en décembre, je vous souhaiterai bonne année. Et si quelqu'un le marque en commentaire, j'y penserai vraiment, je me mettrai un post-it sur mon bureau et je le ferai. Coucou les tournages, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va hyper bien. Je reviens dans cette deuxième partie de vidéo pour vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Si pour l'année prochaine, vous préférez 2 vidéos, une vidéo pour mes cadeaux de Noël et une vidéo pour mes cadeaux d'anniversaire, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous faire 2 vidéos qui sortiront respectivement en mars et en juillet. Est-ce que c'est normal? Oui. Je tiens d'abord à signaler que je suis extrêmement gênée de tous les trucs que j'ai reçus. Je crois que j'ai jamais été aussi gâtée de toute ma vie pour mon anniversaire. On va commencer par un dernier cadeau de Noël, parce que c'est un Père Noël mystère avec mon asso, qui m'a offert un petit pack-ol de bougies, comme ceci, licorne. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore les bougies, mais je m'en sers jamais, j'en ai là et là. Mais le truc, c'est que je m'en sers jamais parce que j'ai pas envie que ça se consume, parce qu'une fois que c'est consumé, bah je peux plus m'en servir, il faut que j'en rachète. Et bah là, c'est tout un concept. Je mets une petite loupiote dans le truc et c'est à l'infini. Donc trop contente. Et enfin, je pars au ski la semaine prochaine. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je vais monter. Coucou, moi du montage. Il m'a offert des superbes chaussettes jusqu'à 4 fois plus chaudes. Si c'est pas formidable. Voilà, ça vient de chez Nature et Découvert. Et elles sont toutes douces à l'intérieur. J'adore, 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 j'adore. Very well. Je suis vraiment gênée, mais je crois que je vais jamais poster cette vidéo. Je suis tellement gênée de parler de ça. J'ai un amas de choses, mais je vous aime. Voilà, toutes les personnes qui m'ont offert, je vous fais une déclaration d'amour. Je vous aime. Bon, c'est en tas, je fais dans n'importe quel ordre. Alors, j'ai tout d'abord reçu une magnifique batterie portative, voilà. Elle a failli tomber par terre. Je prends soin de mes affaires, hein, parce que c'est très pratique. Et voilà, X-Move. Elle est très bien. Ensuite, j'ai reçu ceci. Oh,
J'en ai marre, je vais tomber toutes mes affaires. Voilà, une paire de boucles d'oreilles, un petit collier. J'ai trop hâte d'essayer de le mettre. Ensuite, j'ai reçu une petite enveloppe. Et c'est une carte de ma maman, en fait, qui me dit qu'on peut aller faire du shopping ensemble un jour. Donc, on n'a pas encore eu le temps de se faire cette petite séance shopping, mais on le fera un de ces quatre. Si ça vous tient vraiment à cœur, je ferai une vidéo de 1 minute pour vous dire qu'est-ce que j'ai acheté avec ma petite maman. Ensuite, j'ai reçu 4 DVD. Tchouk tchouk tchouk. Tout en haut du monde, qui apparemment est un superbe dessin animé. Vous savez que ma passion, c'est un peu les dessins animés. Du coup, j'ai trop hâte de le regarder. Et après, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Maléfique, Le Livre de la Jungle, et enfin Toute ma vie, Mission G. Est-ce que c'est des cochons d'Inde? Oui! J'adore les cochons d'Inde. J'adore! Hop, on va tout poser là. J'ai aussi une petite statuette en bronze qui vient d'Afrique. Alors, je sais plus si c'est Burkina Faso ou Nigeria, je m'en excuse. Mais en tout cas, trop. Ou c'est un autre pays, parce qu'en vrai, je suis un peu nulle en géographie. Trop mignonne, trop belle. Ensuite, on m'a offert ce magnifique livre. La personne qui me l'a offert, c'est un de ses livres préférés. J'ai trop hâte de le lire. Ça s'appelle Les Braises de Sandor Marey. C'est un peu... Je fais tomber tous mes cadeaux, c'est pas possible ça. Je rappelle que si vous voulez, je peux vous faire des vidéos lecture. Une fois que j'aurai vraiment appris la lecture, ça m'a motivée de fou. Je pense que je vais vous faire des vidéos lecture. Même si c'est pas forcément ce que j'aime regarder sur YouTube, je pense que ça va motiver à lire si je vous parle de lecture que je fais. Je vais faire ça. Et ça s'appellera Lecture terminée. Ensuite, cette même personne m'a aussi également offert ceci. Est-ce que je suis fan du Seigneur des Anneaux? Oui. Donc voilà, c'est l'univers illustré de Tolkien, de David Day. Elle est trop belle. Donc voilà, j'ai trop hâte, les illustrations sont toutes un peu aquarelles, c'est trop beau. Vraiment hyper contente de ce bouquin. Et ensuite, j'ai reçu l'encyclopédie Zelda, mon frère avait la même, mais je voulais mon encyclopédie. Mon frère avait la même, mais je voulais la mienne. Je suis trop contente et vraiment le bouquin trop beau. Alors pour la suite, j'ai reçu une petite paire de boucles d'oreilles qui vient de chez Agatha Paris. Alors comment je vais vous présenter ça? Voici une petite paire de boucles d'oreilles trop mignonnes, d'étoiles. Bon, j'espère que vous verrez bien. En même temps, c'est un peu compliqué de montrer ce genre de boucles d'oreilles. Bon, en tout cas, elles sont trop mignonnes. J'adore. J'ai reçu ce t-shirt-ci. Est-ce qu'il est pas trop beau? Oui. Est-ce que j'aime les pandas? Également. On m'a aussi offert, alors c'est pas matériel, mais on m'a offert la plus belle vue de Paris, c'est-à-dire la vue de la tour Montparnasse. Et j'adore cette vue, c'est... On voit la tour Eiffel et j'aime Paris. La personne me l'a offert de nuit, donc c'était super beau. Et pour en finir avec les cadeaux non matériels, on m'a offert une surprise un peu personnelle, mais que j'ai pas trop envie de vous dévoiler, donc ça restera privé. Mais vous inquiétez pas, il y a tout le reste qui arrive, et je suis extrêmement gênée de tout ce qui arrive, donc ne vous inquiétez pas, je garde qu'une seule chose privée. Dans cette petite housse, ici présente, j'ai reçu plein de petits échantillons de beauté. C'est un masque hydratant, c'était trop bien. Très agréable, un bain vapeur aromatique, un lait hydratant corps à la coco. Ils ont dû vouloir dire que j'étais un peu vieille, j'ai reçu une crème jeunesse. Mais bon, c'est une crème de jour quoi, je crois. Aux fleurs arctiques, Eternal Snow. Cette crème forme vite un bouclier protecteur anti-âge, la peau est hydratée et retrouve cette fermeté, élasticité, les rides et ridules diminuent. Oui, non, c'est vraiment un truc de jeunesse, mais je m'en fous. J'ai déjà une ride qui arrive ici, là. Et ces mêmes personnes m'ont aussi offert, et j'en suis, mais choquée, une paire de chaussures. Est-ce qu'elles sont pas trop belles? J'en suis, mais amoureuse. De la super bonne qualité, parce que moi, en fait, au niveau des chaussures, si j'ai pas de la bonne qualité, bah, je pue des pieds. Voilà, c'est un secret qui restera entre nous. J'ai trop hâte de les mettre tous les jours à la période printemps et même automne. Trop belles. J'ai reçu ce que je rêvais depuis un long moment, un tapis panda. Donc voilà, je vais pouvoir le mettre devant mes étagères. Donc quand je serai pieds nus en train de choisir mes affaires, bah, j'aurai plus froid aux pieds. Alors parce qu'on n'a jamais assez de tasses, j'en ai reçu 2. Les voici, les voilà. J'ai compté, je suis à 8 tasses panda sur 10 tasses que j'ai. Est-ce que ça fait beaucoup? Oui. Hop, hop, hop. J'ai déjà bu dedans, je vous l'ai remis pour faire genre que je m'en ai jamais servi, mais j'ai déjà bu dedans. Comme l'autre d'ailleurs. Elle est, mais d'une kikitude. Et il y a un petit panda ici. Je l'adore. Et je n'avais pas encore de tasses Harry Potter. Alors la voici, la voilà. Toute belle comme elle est, j'adore. J'adore, j'adore. Et pareil, j'ai déjà vu dedans, elle a une plus grosse contenance aussi. Donc trop bien. Je suis trop contente. Ça ne s'arrête plus. Ma grand-mère m'avait fait des petits guépalais bretons pour mon anniversaire. Donc trop bon. Tenez, mangez un petit croque. C'était bon, non? Je vais les mettre sur mon bureau pour les manger. J'ai reçu quelques sous pour mon anniversaire, rien de très flagrant, je reçois pas de sous d'habitude, mais là j'en ai reçu, donc voilà, je préfère être honnête et vous dire, j'ai reçu quelques sous dans une enveloppe. Ensuite j'ai reçu 3 livres, Mémoire d'une jeune guenon dérangée, qui apparemment est un livre, mais
extrêmement drôle, que j'ai trop hâte de lire. Et je vois qu'il y a marqué tome 1, donc ça veut dire qu'il y aura une suite. Je vous en parlerai quand je l'aurai lu dans mes livres terminés. La Miracle Morning de Hal Elrold. J'avais extrêmement envie de le lire et j'ai prévu de m'acheter son deuxième livre. Et comme j'aime Game of Thrones et j'aime les femmes de Game of Thrones, je me suis acheté ce bouquin. Trop contente. J'ai trop hâte de lire. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des images au milieu. C'est beau. Oh, regardez, toute ma vie ces filles. Arya Stark, je t'aime. Oh, c'est trop beau, les filles Stark. J'ai reçu ce magnifique dessin du Seigneur des Anneaux. Trop mignon, j'adore. Voilà, et la personne qui m'a offert ce dessin m'a aussi offert un marque-page, mais qui est déjà dans le livre qui est parti à la montagne, donc je pourrais pas vous le montrer, mais c'est un peu dans le même style. Et j'ai aussi reçu ce petit panda. Ça, je pense que je vais le mettre au-dessus de mon bureau tout de suite. Trop chou, j'adore. Trop chou minou. Chou minou. Est-ce que c'est un nouveau mot? Oui. Ensuite, j'ai reçu... J'en ai marre de dire que j'ai reçu, mais je suis gênée. J'ai reçu cette petite chemisette de nuit. Parce qu'en fait, c'est un t-shirt un peu grand, donc je pense pas que je le mettrai en dehors, mais chemisette de nuit, le roi lion. Regardez comment Simba, il est trop mignon. Bonjour Simba. Ah, trop beau. Et effectivement, il m'arrive mi-cuisse, donc c'est chemise de nuit. Il n'y a plus de lumière. Bon, c'est pas grave. Ah, je vais allumer la lumière là-bas. J'ai reçu ce petit produit de chez Caudalie. C'est une huile nourrissante corps et cheveux et une eau fraîche au thé de vigne. Et ça sent très bon. J'ai reçu un petit bracelet comme ça. J'en ai aussi un rouge, mais je l'ai déjà mis. Du coup, il est déjà rangé. Et ma boîte à bracelets est un peu inaccessible. Donc voilà. Et j'ai reçu un petit porte-monnaie cactus. Je vais vite fait lui trouver une utilisation parce qu'il est trop mignon. Regardez comment c'est kiki. J'adore. Trop choupinou. Je vais éternuer. Parce que j'ai remué de la poussière là. Ensuite, j'ai un de mes amis très proches qui revient des Pays-Bas, qui m'a offert ces petits sabots-là, et je pense que je vais les mettre dans mon décor. Parce que vraiment, trop chou, j'adore. J'adore. Tada, à côté de poids. Je suis gênée. Parce qu'un anniversaire, sans recevoir de doudou panda chez moi, ce n'est pas un anniversaire. J'ai reçu Nadine. Mais mes amis m'ont obligée à l'appeler Nadine. Oh, regardez ses petites pattes. Enfin, je trouve un nom, parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai dit, mais en gros, mes pandas ont tous un nom de drogue, parce que je trouve ça excessivement drôle. Du coup, là, faut que je trouve un nom en rapport avec de la drogue et en rapport avec Nadine qui est pas déjà utilisée. Donc, bonsoir. Bonjour Nadine. J'ai hâte de lui trouver un petit prénom drogué. Ou sinon, je pourrais l'appeler Nadine la droguée. C'est pas mal, ça. Ensuite, un ami qui me connaît très bien a acheté un appareil raclette pour une personne. Bon, après, je pense que ça marche aussi pour deux. J'adore. Et donc, il y a quand même tout ça à l'intérieur. Vraiment trop bien. Moi et le fromage, toute ma vie. J'ai mangé une fondue hier avec des potes. Et enfin, pour terminer, j'en ai marre. C'est bon, c'est fini. J'ai reçu le meilleur jeu de société au monde. Un jeu de société pour créer une bambouseraie. Est-ce que c'est pas le jeu fait pour moi? Si, quand même l'histoire de gens qui construisent des bambouseraies et le panda vient bouffer les bambouseraies. J'adore, j'ai trop envie d'y jouer. Ça se joue à partir de deux. Donc dès que je trouve un copain pour y jouer, j'y joue. Je crois que j'ai fini. Donc voici tous les cadeaux que j'ai reçus pour le moment. C'est-à-dire que j'ai des amis qui n'ont toujours pas offert mon cadeau, mais je vous jure, j'en suis extrêmement gênée. En tout cas, merci pour tous ces fabuleux cadeaux de Noël et d'anniversaire. J'en suis extrêmement reconnaissante. Je suis extrêmement gênée par tout cet amour et cette joie et tout ça que vous m'offrez. Je trouve ça extraordinaire. Je vous aime plus que tout au monde. Et sans vous, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et sans vous, j'aurais pas tous ces cadeaux. Donc vraiment, merci mille fois, mille et une fois. Je vous aime. Pour tout le reste, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donnera des idées de cadeaux, parce qu'en vrai, le principe de montrer des cadeaux, c'est pour vous donner des idées ailleurs. Hein. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et si tu aimes mes cadeaux, dis-le en commentaire. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner. Bisous les petits pandas. Bye bye.